Cette semaine, je vous emmène faire un peu de sport, du canicross. Mais de quoi s'agit-il exactement? Le canicross, c'est de la course à pied. Donc le chien est attelé avec la laisse élastique, un harnais et un baudrier pour le maître. Le chien doit tracter. Il a le droit d'être... il n'est pas obligé d'être en tension tout le temps, hein, mais il doit toujours être devant ou au pire à hauteur du maître. En aucun cas, l'humain doit dépasser le chien. Au niveau de l'entraînement, l'idéal, c'est de travailler la course à pied tout seul à des moments. Moi, je fais de l'athlétisme, donc du coup, c'est assez complet pour moi. On va plutôt privilégier des petites séances répétées éventuellement, pour toujours lui donner l'envie de tracter. Et il faut aussi travailler ça, c'est-à-dire le chien ait envie de tracter. Il ne faut pas travailler trop longtemps tracter, parce que le risque, c'est que le chien se lasse et puis tire pas très fort. Quoi. Ça a l'air physique, hein. Faut suivre le mouvement. Mais on en est où, au fait, avec cette discipline? Je suis pour que cette discipline soit connue et soit pratiquée, parce que c'est vraiment très bon pour les chiens. Ça leur fait un bien fou au niveau du mental, au niveau de l'effort. Ils sont vraiment très bien. Ça permet de canaliser le trop-plein d'énergie ou la fougue, voilà, puisque dans l'effort, ils sont concentrés. Et en plus, l'état d'esprit du canicross, c'est le respect du chien, avant tout. Donc, c'est vraiment la base de ce sport-là. Oui, bon, faut courir quand même, hein. C'est du sport, quoi.